Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un épisode de Trackmania Editor, l'épisode 2 sur le circuit Virageland. Bien sûr, je vous expliquerai pourquoi dans la description, bien sûr, pourquoi j'appelle ça l'épisode 2, parce que ça a un rapport avec le circuit tube que j'avais fait avant avec Firefly. Bien sûr, on a commenté ensemble mon magnifique circuit tube. Donc là, comme vous pouvez le voir, Virageland, en fait, au début, j'avais pas mis de nom. J'ai juste appelé circuit numéro 1, parce qu'en fait, c'est mon tout premier circuit. Et c'est pour ça qu'il est pas très bien conçu. Mais bon, c'est mon premier circuit, donc pardonnez-moi. Je l'ai sans doute montré aussi dans le vidéo test de Trackmania. Et vous allez voir les problèmes principaux qu'on peut rencontrer dans ce circuit. Voilà. Qu'on rencontre dans ce circuit, qui sont assez flagrants. Voilà, là par exemple, là je suis obligé de reculer pour pouvoir bien être droit pour pouvoir sauter sur le tremplin, voilà, faire un grand saut, et là aussi je suis obligé de reculer, voilà, c'est ça les principaux problèmes de ce circuit, et bien sûr Virageland, parce qu'il y a énormément de virages, il y en a même trop pour une Formula, et parce que la Formula est assez nulle en maniabilité, elle est très rapide, mais niveau maniabilité c'est zéro. Voilà, j'arrête. Je me suis un peu. J'ai un peu fait ça en freestyle en fait. Voilà, pour la création de ce circuit, c'était mon tout premier circuit. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et puis, voilà, là il y a les médailles comme d'habitude. Puis voilà, et après, à chaque fois, dans les épisodes de Trackmania Editor, eh bien, je vais procéder comme ça. Je vais mettre le ralenti. Du gameplay que vous venez de voir, parce que bien sûr je commente en voix off et donc je commente en regardant mon montage, et ça, j'ai ce concept avec Rayman 3, j'ai trouvé ça très bien, hein, parce que j'ai utilisé ce concept dans Rayman 3 la première fois, même si je bégayais beaucoup dans Rayman 3. Ça a un peu évolué, et voilà, sinon la musique, voilà, est assez répétitive. Je suis désolé. Voilà, et puis ce système là de ralenti, c'est surtout pour apprécier le panorama et apprécier surtout la gueule de mon circuit qui a la classe. Comme vous pouvez le voir, il a l'air assez complexe, hein, quand on le voit de loin. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à faire ce circuit. Vraiment beaucoup de temps. Sinon, pour tout vous dire, pour l'instant je suis qu'à 9 circuits, comme toujours, j'en ai pas créé un nouveau depuis, mais je vais en créer sur PC, peut-être que je vais en créer d'autres sur Wii, je sais pas, mais sur PC c'est beaucoup plus simple. Et donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, parce que c'est une vidéo très courte, hein, je suis un peu obligé, c'est les épisodes Trackmania Editor. Et on est parti pour l'épisode 3, à la prochaine.